Vous voyez la dame là-bas? À peine la patrouille commencée, les gendarmes repèrent un comportement à risque typique. La passagère arrière de ce cabriolet est assise sur le coffre de la voiture. C'est non seulement dangereux, mais surtout strictement interdit par le code de la route. Je vous mets la carte grise. Vous savez pourquoi on vous arrête? Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez envie de mourir. C'est ça? Vous voulez pas profiter de Calvin Zorak? Ils en profitent pour appeler la conductrice à l'ordre. C'est un peu de votre responsabilité aussi de lui dire de ne pas faire n'importe quoi à l'arrière. Hein. Juste pour vous dire, ça vous semble anodin. Hein. Quelqu'un devant, il pile pour une raison ou d'une autre. Elle pile, elle derrière. Vous, vous passez par devant. Et dites-moi pas non, oui, non, elle le fait pas, ça arrive. Donc les vacances, tout de suite, elles sont gâchées. Quoi. Après, tout le monde vous voit. Hein. Donc nous, il est hors de question qu'on passe à côté de vous et qu'on vous dise rien. Ça vous fait sourire, mais c'est quand même dommage qu'on soit obligé de vous arrêter et de vous le dire, quoi. Donc vous serez verbalisé pour le non-port de la ceinture. Vous recevrez une amende de 90 euros à l'adresse indiquée sous 10-15 jours à la maison. Vous avez 35 jours pour la payer. Merci, le même. Les gendarmes sont toujours consternés de devoir intervenir pour de telles imprudences. Obligé de leur dire. C'est malheureux. C'est des touristes? Ouais, c'est ça, c'est l'esprit vacances. Et puis il peut rien lui arriver là en vacances. Malheureusement, c'est pas le cas.